J'ai fait un rêve la nuit dernière. Un rêve qui paraissait extrêmement réel. Certains détails étaient ma foi très étranges. Il me semblait tellement réel qu'il ne m'est même pas venu à l'esprit que cela pouvait être faux. Que ça pouvait être un délire. Je ne suis pas quelqu'un de spirituel. Et je ne comprends pas vraiment ces choses. Mais je sais que quelque chose s'est vraiment produit. Je me sens comme si je revenais d'un endroit que je ne connaissais pas. Comme si j'avais vécu quelque chose bien consciemment alors que je dormais profondément. Lorsque je me suis couchée, j'avais un pressentiment bizarre. Je me souviens de m'être sentie surveillée en m'endormant. Je sentais que quelqu'un était avec moi. Une présence. Au début de mon rêve, je marchais sur la route. Celle de ma maison. Toutes les maisons des voisins avaient disparu. Il ne restait qu'une route vide. Sans personne autour. Sauf moi. Je ne sais pas ce que je faisais. D'où je venais. Mais j'avais vraiment envie de marcher. Il faisait froid et tout était sombre. Mais je n'avais pas peur. J'étais heureuse de ne pas être dans ma chambre. Après un temps, la route a changé et je me suis retrouvée devant une intersection. Je n'étais plus seule. Il y avait près de moi une silhouette. Quelqu'un qui me semblait familier. Je suis content de te voir, mais c'est dommage de se rencontrer ici. A soudainement dit cet homme. Il avait une voix qui ne m'était pas inconnue. Je savais qui c'était. C'était un de mes amis d'enfance. Mais il avait vraiment beaucoup changé. Il paraissait un peu plus jeune que moi. Sa peau était blanche, son teint était assez pâle. Il avait des cernes très apparentes sous ses yeux. D'ailleurs, ses yeux étaient aussi bleus que ses lèvres. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je. « Je suis venu t'avertir. Il y a un homme en ce moment dans ta maison. » « Je crois pas. J'en sors justement et... il y avait personne. Je réalisais qu'en réalité, je n'avais aucune idée d'où je venais. Je ne savais pas combien de temps j'avais marché. Et même où j'étais en ce moment. « Tu ne comprends pas ?» reprit-il avec une urgence apparente. Il est vraiment dans ta chambre en ce moment. Je n'avais vraiment aucune idée de ce dont il parlait. Il avait piqué ma curiosité et commençait à me faire angoisser. Qui est-il ? Demandai-je. C'est un démon. Une bête glaciale venue tout droit des enfers. Il tourmente les gens la nuit, leur fait peur et les empêche de se reposer durant leur sommeil. Il les affaiblit avant de les dévorer sans aucune pitié. Un démon ? Je ne m'étais jamais intéressé à ce genre de choses. Je ne connaissais rien aux démons. Mais je désirais en savoir plus, alors j'ai décidé de poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait ce démon ? Il commence par se faire remarquer par sa prochaine victime lorsqu'il passe d'un hôte à un autre. Lorsqu'il en a fini avec sa victime, il en repère une nouvelle. Tu connais cette étrange sensation ? Ce froid dans le dos et les picotements sur ta nuque quand quelque chose te fait vraiment peur ? C'est lui. C'est lui qui se tient debout, derrière toi. Déclara-t-il, tout en semblant de plus en plus préoccupé. Comment est-ce qu'il se fait remarquer ? Et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a été remarqué ? Demandai-je, sur un ton de plus en plus inquisiteur. Mon ami dévia son regard et regarda le sol, puis au loin. Il ne voulait vraisemblablement pas répondre à cette question. Il suffit de ne pas le laisser entrer, de l'ignorer. Que veux-tu dire ? Il sera là, maintenant et pour toujours. Il va chercher autour de ta maison, venir dans ta chambre et tenter de te déranger, comme il le fait maintenant. Tu es son hôte à présent. Tu ne peux pas lui échapper. Il sait où tu es. Il te suivra tout le temps. Mais je comprends pas. Comment puis-je l'empêcher d'entrer ? Mon ami regarda soudainement des deux côtés de la route. Il semblait troublé, comme s'il nous étions observés et qu'il craignait d'être entendu. Il se pencha vers moi et me dit tout bas. Lorsque tu le verras, que tu entendras ou que tu sentiras ce froid envahir ton corps, ne bouge pas. Ne lui parle pas. Ignore-le autant que tu peux avant qu'il ne t'envahisse complètement. Mais je comprends rien à ce que tu me racontes. Comment est-ce que je peux me débarrasser de lui ? Tu ne peux pas ! Me répondit-il d'une petite voix. Écoute, mon temps est écoulé. Sur ces mots, il me tourna le dos et partit sur la route en pressant le pas. Ton temps est... écoulé ? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Pourquoi est-ce que ton temps serait écoulé ? Criai-je dans la nuit, alors que mon ami s'éloignait rapidement de moi. Mon temps est écoulé ! Ne le laisse pas entrer ! Ne lui réponds pas ! Me répondit-il sans même se retourner. Alors que je regardais cette vieille connaissance s'éloigner, une mystérieuse ombre semblait soudainement se détacher du paysage et commençait à poursuivre mon ami. Je tentais de lui crier, mais quelque chose m'empêchait de faire le moindre son. C'est alors que l'obscurité engloutit complètement la silhouette de cet homme. Je ne pouvais plus le voir. Alors que je voulais moi aussi marcher et le suivre, je fus soudainement réveillée par un grand bruit. J'étais soudainement couchée sur mon lit, tout habillée et avec mes chaussures. Je me souvenais assez bien d'avoir pris un bain et m'être couchée sans vêtements. Mes chaussures et le bas de mon pantalon étaient pleins de terre. Mes pieds étaient endoloris et je pouvais entendre le bruit d'une sonnerie à côté de moi. C'était mon téléphone.
C'est lui qui m'avait réveillé. Dans la confusion de mon réveil, je n'avais pas reconnu ma sonnerie. Et... il faisait tellement froid dans ma chambre. Mais je n'ai pas répondu. Je me souvenais des paroles de mon ami. Alors, j'ai attendu qu'il arrête de sonner. L'air ambiant était glacial. Et le sentiment de me sentir observée était encore plus fort que lorsque je me suis endormie. Je pouvais entendre quelque chose bouger autour de moi dans ma chambre. Mais je n'osais pas bouger. Je fermais les yeux et je restais complètement immobile. Finalement, j'ai entendu des pas. Comme s'il marchait par un couloir invisible. Et à mesure que les pas s'éloignaient, la température est revenue tranquillement à la normale. J'ignore ce qui est arrivé à cet homme. J'espère seulement que les gens se souviendront de son avertissement. Si en écoutant cet enregistrement vous ressentez un froid étrange, ne vous inquiétez pas. Si vous entendez des bruits étranges dans votre maison, ignorez-les. Vous ne pouvez pas vous permettre de le laisser vous trouver. Ne le laissez pas rentrer. Ne lui répondez pas.